Plus de 40% des personnes de plus de 45 ans ont des varices. Le saviez-vous Imaginez vous réveiller à la fin d'une longue journée fatigante et ne pas avoir à faire face immédiatement à des jambes douloureuses ou lourdes. Continuez à regarder pour découvrir comment vous débarrasser de ces veines gênantes et améliorer la santé de vos jambes sans quitter votre maison. Cette vidéo montre les meilleures façons de traiter les varices, y compris des techniques et des traitements à domicile qui fonctionnent vraiment. Vous verrez comment apporter quelques changements simples à votre routine quotidienne peut aider vos veines à devenir plus fortes et à soulager ces symptômes douloureux. Vous apprendrez également les meilleures façons de manger et de faire des exercices pour garder vos veines en bonne santé. Mais ce n'est pas tout. Je vous parlerai également de quelques remèdes naturels surprenants contre les varices que vous pouvez garder chez vous. Ceux-ci sont utilisés depuis des générations. Si vous en avez assez d'avoir des varices et que vous voulez savoir comment vous en débarrasser définitivement, regardez cette vidéo en entier. Tu ne le regretteras pas, je te le promets. Maintenant, commençons. Que sont les varices et comment nous sentons-elles Veines gonflées et tordues sont devenues plus gros à cause de problèmes avec les valves à l'intérieur des veines. Ces valves aident le sang à circuler vers le cœur en s'ouvrant et en se fermant comme de petites portes. Lorsque les veines ne fonctionnent pas correctement, le sang s'accumule dans celles, si les rendre plus grands et plus faciles à voir. Des millions de personnes dans le monde sont confrontées à ce problème. Quand tu rentres à la maison après une longue journée, enlève tes chaussures et remarque que tes pieds sont un peu gonflés. Vous avez peut-être l'impression d'avoir marché des kilomètres parce que vos jambes vous font mal. Voici les premiers signes qui indiquent que vous pourriez avoir des varices. Au fil du temps, vous pouvez commencer à voir des varicosités sur vos jambes. Ce sont les petites lignes qui ressemblent à des toiles d'araignée. Les problèmes de peau comme les varicosités ne sont que le début d'une série qui pourrait s'aggraver. À mesure que la maladie s'aggrave, les veines peuvent ressortir davantage et former des nœuds douloureux. Ils pourraient devenir plus fins et se casser plus facilement. Vous pourriez même avoir des crampes dans les jambes, surtout la nuit. Parfois, ces crampes sont si douloureuses qu'elles vous réveillent au milieu de la nuit. Cela rend le sommeil difficile et diminue votre qualité de vie. Les varices ne sont pas seulement un problème inesthétique, ils peuvent également être très douloureux et inconfortables. Ces problèmes peuvent s'aggraver s'ils ne sont pas traités. Il peut y avoir des caillots sanguins, des infections, des rougeurs cutanées, et les fines parois des veines se brisent ce qui peut entraîner des saignements qu'est-ce qui fait que certaines personnes ont des varices et d'autres non plusieurs facteurs peuvent augmenter le risque de développer des varices la génétique est très importante les personnes dont les ancêtres avaient des varices sont plus susceptibles d'en avoir également parce que certaines caractéristiques des veines comme la résistance des parois de la veine et le bon fonctionnement des valves peuvent être transmis des parents à l'enfant ils surviennent plus souvent chez les femmes en raison des changements hormonaux qui se produisent pendant la grossesse, menstruation et ménopause. Chez la femme, les hormones peuvent provoquer un relâchement des parois veineuses, ce qui peut provoquer la croissance des veines. Les varices peuvent également survenir en raison d'une prise de poids pendant la grossesse et la pression supplémentaire qu'elle exerce sur les veines de l'abdomen. Le mode de vie est également important. Passer beaucoup de temps assis ou debout peut les aggraver, surtout si vous travaillez comme enseignant, infirmière, vendeur ou quelqu'un d'autre qui doit rester debout pendant de longues périodes. Vous avez probablement des problèmes avec vos veines. De la même manière, les emplois qui nécessitent de rester assis pendant de longues périodes, comme le travail de bureau, peut également augmenter le risque. Lorsque vous êtes en surpoids, les veines de vos jambes sont davantage sollicitées, ce qui rend la circulation sanguine plus difficile. Cela peut empirer si vous portez des vêtements serrés et des talons hauts. Le flux sanguin peut être ralenti par des vêtements serrés, et les talons hauts peuvent modifier la façon dont fonctionnent les muscles de vos jambes, ce qui peut également ralentir la circulation sanguine. Parlons de la façon de l'arrêter maintenant que nous savons ce qui le provoque. Gardez vos veines en bonne santé et pour éviter d'avoir des varices, il faut rester loin de tout ce qui peut les provoquer. Voici quelques conseils utiles. Bougez davantage. Tout type d'exercice peut contribuer à renforcer les parois veineuses et à améliorer la circulation sanguine. Allez vous promener, nager ou faire du vélo. Des changements qui semblent petits, comme prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, peuvent avoir un grand effet. Vous pouvez essayer d'être plus actif tous les jours en faisant des choses comme se garer plus loin de la porte d'entrée au travail ou faire des promenades pendant la journée. Gardez votre poids dans une fourchette raisonnable. Vos veines vous feront mal si vous êtes en surpoids. Essayez donc de maintenir un poids sain pour votre taille et votre âge. Si vous avez besoin d'aide pour élaborer un régime alimentaire sain, parlez-en à un chef. N'oubliez pas que perdre même un peu de poids peut aider votre santé et soulager la pression sur vos veines. Changez souvent de position. Bouger beaucoup est important si vous passez beaucoup de temps assis ou debout. Si vous le pouvez, gardez vos jambes levées et ne les croisez pas lorsque vous êtes assis. Essayez de marcher quelques minutes toutes les heures si vous devez rester debout au travail. Toutes les heures. Levez-vous et étirez-vous si vous êtes assis. Portez des vêtements confortables. Portez des chaussures et des vêtements trop serrés, car ils peuvent couper la circulation sanguine. Choisissez des vêtements plus amples et plus décontractés. Vous pouvez également favoriser la circulation sanguine dans vos jambes en portant des chaussettes de compression. Attention à la chaleur. Parce que les saunas, les bains chauds et les rayons du soleil peuvent élargir vos veines, évitez-les autant que possible. Si vous vivez dans un endroit chaud, prenez un bain dans de l'eau froide pour rafraîchir vos jambes et aider à prévenir le gonflement des veines. Prenez soin de vos veines en mangeant des aliments qui renforcent les parois de vos veines et améliorer la circulation sanguine. Les oranges et les kiwis sont de bons fruits et légumes, tout comme le brocoli et les épinards. L'huile d'olive et les fruits de mer sont de bonnes sources de graisse saine. De plus, l'ail est excellent pour vos veines. Vous pourriez ajouter ces choses à vos repas quotidiens. Remèdes maison qui fonctionnent. Certaines choses que vous possédez probablement déjà chez vous, Peuvent être très efficaces pour soigner les varices. Vous pourriez être en mesure de soulager vos symptômes avec ces remèdes maison miel et vinaigre de cidre. Ce remède est facile à réaliser et fonctionne bien. Une cuillère à café de miel et deux cuillères à café de vinaigre de cidre de pomme fabriqué à la maison doit être mélangée dans 100 ml mm d'eau. Ne mangez ni ne buvez rien avant de boire ceci. Ce mélange rend les parois des veines plus solides et le sang plus fluide, ce qui améliore la circulation. De nombreuses personnes ont déclaré que leurs symptômes s'étaient considérablement améliorés après avoir utilisé ce remède quotidiennement. Pansement à base d'aspirine. 5 comprimés d'aspirine doivent être mélangés à un verre d'eau chaude. Appliquez cette solution sur un ruban large, puis enroulez-le autour de la jambe qui vous fait mal. Gardez le bandage pendant une heure. Cette méthode aide à réduire la douleur et l'enflure et rend les veines plus flexibles. Pendant au moins 10 jours, effectuez ce processus tous les jours. Ce remède fonctionne particulièrement bien pour les personnes qui souffrent beaucoup à cause des varices. Compresse à la pomme de terre crue. Vous pouvez éplucher et râper quelques pommes de terre crues. Couvrez la plaie avec un tissu en coton et mettez la purée de pommes de terre dessus. Laissez agir pendant 5 à 6 heures. Cette ancienne méthode aide à soulager la douleur et à réduire l'enflure. Naturellement, les pommes de terre crues peuvent aider à réduire l'inflammation, ce qui est une bonne chose. Voyons maintenant quelques remèdes à l'ancienne. Les médecins traditionnels connaissent de nombreuses méthodes différentes pour traiter les varices. Depuis de nombreuses années, des choses comme l'acacia, le calancho, les poivrons verts, les feuilles de choux, l'absinthe et la fougère ont été utilisées. Cela peut sembler impossible, mais ces ingrédients naturels peuvent vraiment faire la différence. Pour prendre l'exemple des tomates vertes, coupez-les et placez-les sur les veines blessées. Ensuite, mettez un emballage dessus. Ce remède est simple à réaliser et peut très bien fonctionner s'il est utilisé régulièrement. Le lait aigre à l'absinthe est un autre remède bien connu. Il faut mélanger le lait caillé et l'absinthe fraîchement hachée et ensuite mettre sur les varices. Mettez un bandage et un chiffon par-dessus et laissez agir quelques heures. Ce remède est réputé pour réduire les gonflements et aider les gens à se sentir mieux. Beaucoup de personnes se sont senties mieux après avoir utilisé ce traitement pendant une longue période. Les feuilles de chou peuvent également être utilisées pour faire des paquets. Écrasez les feuilles de chou et mettez-les sur les veines blessées utilisez une enveloppe pour les maintenir en place parce qu'il réduit l'inflammation le chou peut aider à soulager la douleur et la raideur l'acacia et le calanchoe fonctionnent également très bien vous pouvez utiliser un chiffon propre pour appliquer un mélange composé de ces plantes sur vos varices les gens utilisent que ces plantes médicinales depuis des centaines d'années et continuent de le faire parce qu'elles fonctionnent quand devriez-vous consulter un médecin Même si les traitements à domicile fonctionnent parfois, il est important de savoir quand demander l'aide d'un professionnel. Vos veines doivent être examinées immédiatement par un médecin si elles deviennent très gonflées et douloureuses, ou si votre peau change de quelque façon que ce soit, comme des plaies. De plus, n'attendez pas pour consulter un médecin si vous présentez des signes tels que des saignements, des rougeurs intenses ou de la fièvre. Si le problème est très grave, votre médecin peut suggérer des méthodes de traitement plus avancées, comme la sclérothérapie, l'ablation au laser ou la chirurgie. Lors de la sclérothérapie, une solution est injectée dans les veines qui nécessitent un traitement. Cela provoque la fermeture des veines et leur disparition définitive. Grâce à l'ablation au laser, les varices peuvent être fermées. Dans les cas les plus graves, il peut être nécessaire de retirer chirurgicalement les veines affectées. Ne laissez pas le problème s'aggraver. Il sera plus facile de résoudre le problème si vous obtenez de l'aide immédiatement. Pour garder vos veines en bonne santé, vous devez faire ce que votre médecin vous dit et continuer à prendre soin de votre maison. Même si les varices peuvent être douloureuses et inconfortables, vous pouvez améliorer la santé de vos jambes et atténuer les symptômes avec des soins appropriés et quelques traitements à domicile. N'oubliez pas de continuer à bouger, de maintenir votre poids dans une fourchette saine, évitez de porter des vêtements trop serrés et utilisez les traitements naturels dont nous avons parlé. Ne laissez pas les varicosités vous arrêter. Vous pouvez changer les choses pour le mieux et prendre en charge votre santé. Prenez soin de vos jambes aujourd'hui pour vivre une vie plus saine et plus paisible. N'oubliez pas que chaque petite chose que vous faites pour améliorer votre santé est importante. N'arrêtez pas. Vous êtes responsable de votre santé. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez vous abonner à la chaîne et activer les alertes pour ne manquer aucune des nouvelles vidéos que nous publions.